Eh bien salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment mettre à niveau Windows 7 vers Windows 10. Alors j'ai déjà effectué une vidéo où j'effectuais cette mise à niveau en 2 minutes. Sur cette vidéo je ne parlais pas, donc il y a beaucoup de personnes qui ne comprenaient pas tout à fait si jamais tous les fichiers seront supprimés ou pas, si la mise à niveau allait garder Windows ou non. Donc je vais mettre les choses au clair. Alors si vous avez ce message là sur Windows 7, c'est tout à fait normal puisque Microsoft recommande désormais Windows 10 et les mises à jour de sécurité de Windows 7 sont désactivées depuis le 14 janvier 2020. Alors, me le rappeler dernièrement, on va faire ça à notre manière. On va aller sur Google Chrome. Pour mettre à jour donc Windows 7 vers Windows 10, vous allez conserver votre clé Windows, c'est-à-dire que Windows 10 sera activé avec la clé originale de Windows 7. Vous n'aurez pas besoin de racheter Windows. Donc on va utiliser Windows 10 Media Creation Tool. On marque ça sur Internet, sur Google. On clique sur le premier lien ici, Microsoft.com. Télécharger une image disque Windows 10. Ensuite, il va nous falloir donc télécharger l'outil. On clique sur le bouton Télécharger maintenant l'outil. Voilà. Donc ici, ça va être pour mettre à jour ce PC. Alors moi, je suis sur une machine virtuelle, donc c'est un Windows 7 virtuel. C'est comme si j'avais un Windows 7, sauf que ça n'impacte pas mon ordinateur, mais la machine virtuelle. C'est pour ça que l'affichage n'est pas très très beau. Alors une fois qu'il est téléchargé, on va pouvoir l'exécuter, comme ceci. On attend du coup le chargement. Donc cet exécutable va nous permettre de télécharger Windows 10 et l'installer sur ce PC. Ou bien une autre possibilité, c'est d'installer le setup, donc l'installateur de Windows 10 sur une clé USB et de créer une clé USB bootable pour installer Windows 10 sur un autre ordinateur. Mais ce n'est pas là ce qui nous intéresse. Donc préparation de certains éléments. Donc je rappelle que l'installation de Windows 10 peut prendre de 30 minutes à 2-3 heures sur certains ordinateurs. Cela va dépendre de tous vos composants. On va parler du processeur, du disque dur, de la mémoire RAM. Vérifiez bien que vous avez assez de place sur votre ordinateur. Alors pour ce faire, vous allez aller dans Explorateur de fichiers et évidemment regarder au niveau de vos disques durs. Voilà, si vous avez assez de place, il vous faudra au moins 25 voire 30 gigas de libre pour installer Windows 10. Hop. Surtout s'ils vont conserver les éléments. Là, on parlera peut-être plutôt de 50 gigas, selon les éléments que vous avez dans votre ordinateur, les fichiers personnels, les applications. Durant l'installation de Windows 10, juste avant l'installation, où l'installateur, donc qui est juste ici, va nous prévenir si vous avez des logiciels qui ne sont plus compatibles avec Windows 10. Il vous préviendra si il doit les supprimer. Alors, en fait, il sera dans l'obligation de les supprimer s'ils ne sont plus compatibles. Donc, vous serez averti, ne vous en faites pas. Si vous n'avez aucun message de ce type, c'est que tous les logiciels seront conservés avec la mise à niveau. Donc voilà, j'ai accepté les conditions d'installation. Alors, ça prend un certain temps. On arrive ensuite à cette étape-là. Que voulez-vous faire? Alors là, mettre à niveau ce PC maintenant, c'est bien évidemment pour télécharger Windows 10, puis ensuite l'installer sur cet ordinateur. Créer un support d'installation, c'est ce que je vous disais. C'est donc la possibilité de créer sur une clé USB un support d'installation qui sera exécutable pour un autre ordinateur, ou même pour celui-ci. On aura la possibilité de rendre la clé USB bootable, c'est-à-dire qu'on pourra démarrer l'ordinateur en question sur la clé USB afin d'installer Windows 10 dès le démarrage de ce dernier, si jamais vous avez un ordinateur avec un disque dur vierge par exemple. Donc nous, on choisit mettre à niveau ce PC maintenant, si vous voulez mettre à niveau le PC sur lequel vous regardez la vidéo. Voilà. On va donc se quitter, on va donc télécharger Windows 10. Ça va prendre un certain temps selon votre vitesse de téléchargement, donc selon votre connexion internet. Une fois le téléchargement terminé et la vérification de ce téléchargement effectuée, vous aurez du coup la création d'un média Windows 10 qui va s'effectuer, qui va prendre aussi un certain temps. Une fois le média créé, vous aurez un petit chargement de jusqu'à 100%.
qui va s'effectuer afin de préparer l'installation de Windows 10. Obtention des mises à jour, recherche de mises à jour qui ne devrait pas durer bien longtemps. Cette phase de vérification du PC va donc vérifier si votre PC dispose de logiciels compatibles ou non avec Windows 10. Et donc à cette étape, lors de cette étape, que Windows, l'installateur de Windows 10 va vous préciser si des applications seront désinstallées ou non lors de la mise à niveau. Si vous êtes dans mon cas et que votre Windows n'est pas activé sur le PC sur lequel vous voulez installer Windows 10, ou Microsoft a mis à disposition cette clé qui est une clé générique qui permet donc tout simplement d'installer Windows 10, mais il faudra quand même activer une autre clé lorsque l'on voudra utiliser son ordinateur par la suite. On accepte les conditions. Voilà, donc cette phase-là qui va arriver. Vérification, voilà, donc les logiciels seront indiqués si jamais il y a un problème de compatibilité. Prêt pour l'installation. Donc, ici, Windows 10 propose par défaut de conserver les fichiers personnels et applications. Si vous lissez comme ceci, toutes vos photos, vidéos, documents seront gardés, il n'y aura pas de problème là-dessus. Pareil pour les applications, il n'y aura aucun souci là-dessus. On peut modifier les éléments à conserver, et ici, conserver uniquement les fichiers personnels, les images, les documents, les vidéos seront conservés. Vous n'aurez pas, par contre, les applications, tous les logiciels seront supprimés. Et si l'on coche rien, alors là, tout, mais absolument tout sera supprimé, on repartira sur un ordinateur vierge, c'est-à-dire qu'il y aura uniquement Windows 10 installé, et c'est tout. Donc pour ma part, je vais faire rien, voilà. Comme ceci, comme ça, tout va être supprimé, Google Chrome, n'importe quoi qui a été installé, et on aura tout simplement une installation de Windows 10 clean, sans rien du tout. Voilà, on est prêt pour l'installation, on va pouvoir cliquer sur installer, et le processus d'installation va démarrer. Le PC redémarrera donc à plusieurs reprises. Cette procédure du coup peut prendre, est la plus longue, elle peut prendre jusqu'à 1 heure ou 2 heures selon votre PC. Une fois les processus d'installation terminés, on va pouvoir configurer Windows 10. On va donc sélectionner la région France. Puis sélectionner le langage français, je suppose. Alors, c'est la dernière étape avant d'avoir Windows 10 installé sur votre ordinateur. Après cela, vous pourrez utiliser votre ordinateur comme avant, mais avec Windows 10. Votre clavier est configuré en français. Cortana, on va le dire. Est-ce bien ce que vous voulez ? Voilà. Donc, France, très bien. On n'ajoute pas de disposition de clavier. Pour ma part. On va pouvoir donc se connecter à un compte Microsoft. Vous utilisez n'importe quelle adresse email qui vous chante. Pour ma part, ce sera celle-ci. Hop. Il vous faudra entrer le mot de passe de votre compte. On me demande ensuite de créer un code confidentiel. Donc on va créer un code confidentiel. Il me semble que je ne peux pas passer cette étape avec Windows Hello, qui est le système d'authentification de Windows 10, qui va vous permettre de créer un mot de passe, un code PIN, et par exemple une empreinte digitale si vous en avez la possibilité. Donc voilà, à 4 chiffres pour ma part. On peut en mettre plus. Et même inclure des lettres et des symboles.
Du coup, alors l'historique des activités va vous permettre d'accéder à toute votre historique d'applications utilisées sur Windows 10. Vous pouvez l'activer si ça vous chante, ça peut rester une fonctionnalité intéressante. Pas de numéro de téléphone. Car grâce à Windows 10, vous pouvez aussi avoir l'application Votre téléphone qui va permettre de synchroniser les messages et les photos et vidéos de votre téléphone avec Windows 10, ce qui reste tout de même assez pratique. Vous pouvez même envoyer des SMS depuis votre PC. Alors, je ne peux pas utiliser OneDrive non plus sur ce PC, donc je clique sur uniquement enregistrer des fichiers sur ce PC. OneDrive est une solution cloud qui vous permet de déposer vos fichiers dans le cloud et de les partager avec plusieurs périphériques, tout comme Google Drive, pour ceux qui connaissent. Non, je ne possède pas Office 365, et je ne le veux pas. Alors, l'expérience personnalisée, les suggestions pertinentes de Cortana. Ici, Microsoft va donc collecter vos données personnelles, telles que les informations de localisation, les contacts, les écritures manuscrites, lorsque vous recherchez des choses sur Internet. Vous pourrez donc obtenir des publicités personnalisées, alors j'accepte, pourquoi pas. C'est comme vous voulez, ici vous pouvez accepter ou refuser que Microsoft collecte vos données. Non, je n'utilise pas la reconnaissance vocale, je ne m'en sers pas. J'autorise l'application à utiliser mon emplacement si je veux faire un itinéraire par exemple. Localiser mon appareil, si je perds mon ordinateur portable, pourquoi pas. J'envoie des données de façon basique et non complète. L'écriture manuscrite, on peut l'améliorer. Oui, expérience pour voilà. Expérience personnalisée. On autorise les applications à utiliser notre identifiant de publicité afin de nous proposer des publicités personnalisées. Bon, tous ces paramètres-là, c'est vous faites comme vous voulez, il n'y a pas de souci. C'est des paramètres vraiment utilisateurs qui ne changeront pas le bon fonctionnement de Windows 10. Alors on est presque, Cortana voilà, nous indique que dans quelques minutes, quelques secondes, on va pouvoir utiliser Windows 10. Voilà, on a le chargement du bureau. Donc si tout se passe bien, il n'y a pas de raison, si vous arrivez ici à cette étape comme moi, vous aurez donc Windows 10 d'installé qui remplace Windows 7 avec la même clé de produit, c'est-à-dire que Windows 10 sera activé, vous n'avez pas besoin évidemment d'acheter une licence Windows. La mise à niveau a été effectuée, vous aurez donc vos applications et vos fichiers personnels si vous avez décidé de les conserver comme vous avez sélectionné au début de l'installation. Dans le cas contraire, si vous avez sélectionné ne rien conserver, alors vous aurez une installation toute propre avec uniquement Windows 10 installé. Ça y est, nous y sommes. Bienvenue donc. Alors, problème de compte Microsoft, ça, si vous avez ce message, ce n'est pas grave. On m'autorise à me connecter à un réseau. Ok, alors. Hop. Microsoft Edge, du coup, vous pouvez le configurer, c'est le navigateur de Microsoft. Et donc voilà, Windows 10 est installé. Alors, je vous laisse explorer Windows 10. Et si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à m'en parler.